et d'écologie, le terme d'écosystème, inventé en 1935 par le botaniste Arthur George Tansley, nous vient du grec oikos, qui signifie maison, et systema, composition. Mais encore, eh bien, prenez un biotope, autrement dit un milieu, son sol, l'eau, le climat et la lumière. Ajoutez-y la biocénose, c'est-à-dire les êtres vivants, végétaux et animaux, qui y prospèrent, et vous obtenez un écosystème. Mais qu'il s'agisse d'une forêt tropicale, d'une prairie ou des lacs de l'Essonne, ce qui en fait l'unité et l'équilibre, ce sont d'abord les relations et les interactions entre tous les éléments qui le composent. Tengo timbón y es la razón, un tabaquito con ron, con, con. Tengo timbón y es la razón. La boucle est bouclée, bref, les uns ont besoin des autres pour survivre, et la disparition d'un seul maillon de la chaîne alimentaire, comme la perturbation des conditions du milieu, peuvent bouleverser le fragile équilibre d'un écosystème.